En 2005, je dirigeais un opérateur de télécom qui s'appelait à l'époque Neuf Télécom. Et j'étais donc le patron d'Anthony Ravo qui nous quittait exactement il y a 15 ans pour aller créer MyMedia. Et je me souviens qu'on était tous très tristes et on ne savait pas comment le remplacer parce que chez Neuf, Anthony il faisait tout, quoi. C'était un peu un homme orchestre dans tout notre développement autour du grand public. On était tous des gens qui venaient des télécoms plutôt du côté technique, ou en tout cas service aux autres opérateurs, service aux entreprises. La partie qui était l'ouverture vers des millions de clients, on ne savait pas faire. Anthony nous a guidés, nous a expliqué qu'il fallait pas avoir peur, qu'il fallait marteler des messages simples, qu'il fallait avoir des offres simples, et que pour ça, il fallait qu'on soit très peu nombreux. Donc, il faisait tout seul, ou presque. Et on a été très heureux d'être le premier client de MyMedia. Je comprenais le monde des médias, le monde de l'achat d'espace, le monde de la communication, le monde de la pub. Je le comprenais à travers ce que Anthony m'en disait, parce que je n'en savais rien avant. Et donc, ça nous avait bien réussi. Il n'y a aucune raison de pas continuer à faire confiance à des gens qui vous ont beaucoup apporté. Quand j'ai entendu parler d'Internet en 95, 96, 97, ça me paraissait magique que les ordinateurs puissent tous se parler entre eux, me paraissait magique. Et c'est pour ça que j'ai lancé un opérateur télécom en 90, début 98. Pour s'inscrire dans cette vague, en sachant pas très bien quel serait le business model, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de puissant. Je pense qu'on mesurait pas à quel point c'était puissant. Et en 2008, moi j'ai vendu donc ce qui était devenu Neuf Cegetel à SFR. Et du coup, je me suis dit quelle est la prochaine vague. Et ne voulant pas retourner sur les lieux du crime et voulant plutôt m'éloigner de la partie technologique qui m'avait occupé pendant ces 10 dernières années, en 2008, j'ai préféré prendre la vague du changement énergétique, qui était un peu à ses débuts, mais on sentait bien que l'énergie solaire serait l'énergie du 21e siècle, comme le nucléaire avait été celle de la deuxième moitié du 20e siècle, ce qui est formidable quand on a la liberté et la possibilité de choisir les secteurs dans lesquels on va travailler. Ce qui est formidable, c'est de choisir à la fois son secteur, son moment et puis le type de risque qu'on veut prendre. Donc, je considère que finalement, là, la grande leçon de ces 15 dernières années, mais qui vaut sans doute pour les 15 précédentes aussi, c'est que il faut être flexible, il faut être prêt à se réinventer, voire à tout changer. Un des patrons qui a aujourd'hui dans les 10 premières fortunes françaises, ou peut-être même dans les 5, qui réussit extrêmement bien dans un secteur où la France est très bien représentée, me disait, je ne sais pas si ce n'est pas le moment de tout vendre pour repartir plus tôt ailleurs. Et je trouve que, alors ça c'est le raisonnement capitaliste, mais ça vaut pour chacun des individus qui travaillent, c'est toujours de se dire, finalement, qu'est-ce que je veux, comment je veux me voir dans 10 ans? Les choses dont je suis vraiment convaincu, c'est que c'est important que les organisations décident vite. Et ça, c'était vrai en 2005, c'est toujours vrai en 2020. De mes phrases que j'utilise souvent, c'est mieux de prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. Donc, il faut que les organisations décident vite. Il faut que les organisations soient non politiques, c'est-à-dire que on ne valorise que les gens qui prennent des initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt collectif, mais les gens qui essayent de se faire valoir au détriment des autres doivent être sanctionnés. Donc il faut sanctionner les comportements déviants et encourager les comportements coopératifs et les comportements créateurs de valeur. Et finalement, manager, c'est à peu près ça, quoi. C'est amener de l'optimisme dans son environnement, donner aux gens envie et s'assurer que les bonnes récompenses sont mises au bon endroit. Le bon manager, c'est d'abord celui qui met la bonne culture, dans la structure.
on vit pas mieux, on vit pas moins bien. En tout cas, si on, j'hésite, devait, si j'avais pas le droit de dire, on vit aussi bien. Je dirais qu'on vit forcément mieux, mais on s'en rend pas compte. On a évidemment toujours du mal à apprécier les progrès. Je me suis fait opérer du genou il y a un mois. Je m'étais fait opérer de l'autre genou il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, j'avais passé 3 jours à l'hôpital, j'avais eu un mal de chien. Là, on m'a remis mes ligaments. Ça a été fait en 1 heure, je suis sorti, et une semaine après je marchais. On vit mieux, on est capable de traiter les sujets qui nous embêtent un peu dans la vie quotidienne de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus souple. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas, hein. On passe encore des heures à signer des papiers alors que tout devrait être quand même beaucoup plus fluide. Mais globalement compris que le temps était une ressource rare et donc beaucoup de choses sont offertes pour essayer de simplifier la vie des gens. Le problème, c'est que quand on dégage du temps, et je pense qu'on a tous beaucoup, beaucoup plus de temps qu'il y a 15 ans, quel que soit nos métiers, quelles que soient nos activités, quand on dégage du temps, on n'a pas forcément les ressources internes pour occuper ce temps de façon constructive, agréable, intelligente. Et donc, le sentiment de ne pas être plus heureux vient peut-être, je dirais, de ce vide intérieur et de cette incapacité à utiliser le temps libre, qui est la conséquence du progrès technologique. Moi, je pense que dans les 15 dernières années, celui qui a peut-être été le plus fort, c'est quand en 2009, le 15 septembre, au moment de la chute de Lehman, tout le système bancaire mondial a failli s'effondrer, hein. Il a été à quelques jours, à quelques heures parfois de tomber. Et qu'on s'est rendu compte que ce qu'on croyait des piliers de la société, c'est-à-dire qu'on avait le droit avec une carte de crédit de retirer l'argent qui était sur son compte en banque, n'était pas forcément pérenne et que du jour au lendemain, on pouvait rebasculer dans des situations totalement inimaginées. Et il y en a eu beaucoup d'autres, hein, à commencer par la pandémie de 2020. Mais je pense que c'est en 2009 que j'ai pris conscience qu'il fallait réfléchir un peu. Un peu en dehors de la boîte parce que on était à la merci de choses auxquelles on pense jamais et qui peuvent néanmoins arriver. Bon, 2009, on n'est pas tombé, on n'est pas passé loin de la catastrophe, hein. Il y a eu quelques hommes d'État qui ont été décisifs à ce moment-là, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Et en tout cas, c'était une prise de conscience que tout était beaucoup plus fragile que ce qu'on croit. Je pense que les sociétés qui sont les plus inspirantes sont quand même celles qui portent des valeurs un petit peu plus fortes que les autres. Donc je suis obligé d'aller piquer dans le vivier des GAFAM parce que c'est quand même eux qui ont changé le monde ces dernières années. On peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. J'ai le sentiment, mais je ne les connais pas bien, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans la culture d'Amazon qui me plaît pas. J'ai quelque chose dans la culture d'Apple qui m'inspire un peu de méfiance aussi. Je trouve qu'on a vu les limites de Facebook. Microsoft, c'est peut-être les moins rock'n'roll de tous, mais bon, c'est sérieux, c'est estimable. Et donc je dirais Google. J'ai l'impression que chez Google, il y a quelque chose dans la culture, encore une fois, qui est assez lointaine de la mienne, mais qui porte de jolies valeurs, même si, comme toutes les entreprises, elle cherche à augmenter sa part de marché et à pousser les limites toujours un peu plus loin. Ce qui est naturel et ce qui est normal, et les États, les réglementations sont faites pour limiter tout ça. Mais globalement, je dirais que le plus inspirant, ça restera Google. Je pense que l'état d'esprit des fondateurs est un état d'esprit qui est à la fois entrepreneurial,
mais pas uniquement, uniquement motivé par l'accumulation de richesses. Je dirais que la situation la plus compliquée et la plus intéressante aujourd'hui, pour moi qui connais un peu le secteur de l'énergie, c'est le groupe Engie, qui a des défis qui m'intéressent. Je pense que c'est pas du tout mon ambition hein, de rentrer dans le CAC 40. Si je voulais le faire, je l'aurais fait il y a 10 ans. Mais je dirais que c'est peut-être Engie. D'abord parce que j'étais convaincu que ils étaient très bons. Deuxièmement, le mot d'ordre que j'ai toujours dans les entreprises, c'est l'audace. Donc moi, ça ne me pose aucun problème de donner 100% d'un budget à une boîte qui démarre. J'aime les entrepreneurs, donc j'aime les aventures. Et il ne s'agit pas de commencer à réfléchir en conservateur parce que sinon, on va finir par ressembler aux autres. Et puis, la réalité m'a donné raison, puisque je pense qu'on a vraiment été très bon pour exister en très peu de temps, alors qu'on est parti les derniers. Hein. Il faut se souvenir que Neuf Télécom n'était pas du tout dans les sujets grand public. Et puis quelques années plus tard, on avait plus de clients que Club Internet, que AOL, qui sont des boîtes qu'on a rachetées. Et on avait su créer une dynamique d'acquisition qui reposait en partie, et c'était un élément important, sur notre capacité à bien communiquer. Donc, l'histoire nous a donné raison, et j'espère que pour les 15 prochaines années, MyMedia saura non seulement continuer à se développer, alors c'est plus MyMedia Heroics, à se développer, à croître et embellir. Je suis pas très inquiet de ce point de vue-là, mais j'espère aussi que vous saurez essaimer. Et donc j'espère que dans 15 ans, Anthony ou David se prêtera au même exercice que moi aujourd'hui, avec la même fierté, en disant ah oui, le jeune ou la jeune Esmeralda, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier à un moment donné. Et regardez ce qu'elle est devenue, et c'est formidable. Et donc on est riche finalement de ses succès, mais on est encore beaucoup plus riche des succès des autres. Et je suis heureux et fier que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui.